Ce week-end, le Cap Ferret Music Open réunissait de jeunes talents musicaux à la salle de la Forestière. Piano, accordéon, chant, autant de disciplines dans lesquelles les candidats ont excellé, au point que le jury n'a pas su trancher. C'est donc deux candidats que l'Open a récompensé cette année, Jean-Baptiste Baudin à l'accordéon et le duo des Cimes, duo de guitare avec Margot Fontana et Rémi Guiriman. L'accordéoniste Jean-Baptiste Baudin, que j'ai trouvé d'un jeu extrêmement intérieur, qui m'a beaucoup touchée, ainsi que d'autres membres du jury. Et ce qui est amusant, c'est qu'il a soulevé des réactions complètement inverses. Ce qui est toujours assez... C'est plutôt bon signe, plutôt que des réactions positives, mais pas en fait très enthousiastes. Et on a eu des candidats qui venaient de la région, maintenant je peux le dire, parce que... On communique pas trop dessus. On a eu pas mal de candidats locaux qui viennent aussi de Bordeaux. On a qui sont venus de Belgique. Il y en a qui sont passés de la Corée. Donc vraiment, les trois étages, c'est-à-dire local, national, international. Et on a entendu des choses magnifiques, des choses un petit peu plus fragiles. Mais bon, c'est ça, hein, des présélections, c'est, on ne sait pas. On découvre en même temps que le public. En tout cas, on a de la matière et... Ce que vous allez entendre après, c'est vraiment très beau. Personnellement, j'ai beaucoup aimé le duo de piano parce que c'est un duo italien qui a joué les variations de Lutoslavski complètement par cœur. C'est une œuvre du répertoire que beaucoup redoutent et ils jouent ça avec un naturel remarquable. J'ai beaucoup aimé le quatuor Caliste qui va commencer cette seconde partie, qui vient de Belgique, qui est de la classe, je crois, de Guy Danel. Donc remarquable, Forêt. Bon, mais il y en a plein d'autres, hein. J'ai eu plein de coups de cœur. Mais là, voilà, les trois premiers. Et assis quand même Alexandra Marcelier, une chanteuse incroyable, bordelaise, que vous allez avoir en finale, enfin qui sera en finale là, et qui est absolument époustouflante de maturité, de variété de programme, tout quoi. Donc grosse pro. Non, mais je suis très, très contente. Je trouve que c'est beaucoup de travail, mais quand on voit le résultat, on se dit, mais oui, c'est normal, il faut le faire.